les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, préparez vos popcorn, vos sodas. On va se taper le fucking unboxing, frérot, du nouveau bébé, du nouveau bijou là. Vous me demandez tous ce que c'est. Je suis en haut d'un putain de terri, frérot. Là là, qu'est-ce que tu veux de mieux? Déjà je t'offre ça, frérot. Attends, je vais mieux te le montrer après. Mais je t'offre un coucher de soleil comme ça, mon ref. Déjà là tu mets pouce bleu, tu t'abonnes. Cash, frérot, je pose les règles. Tu vois que là, frérot, il y a de quoi s'amuser. Donc tu te dis forcément c'est pas une 50, c'est pas un super mode. Est-ce que c'est un cross, mon ref? Est-ce que c'est un fucking cross? Là, tu te dis, mais attends, mais Léo, quand même, un cross, déjà, encore, mais t'es pété d'oseille, mon ref. Ah, malheureusement, les mecs, l'URSSAF, il prend tout, donc on peut plus s'acheter de cross. Ça, c'était les impôts, ça. Ça, c'est les impôts, mon ref. Non, on va se calmer, les mecs, on va se calmer. Bref, qu'est-ce que j'ai pu m'acheter, les mecs? Qu'est-ce que j'ai pu m'acheter? Bon, vous savez, depuis que je vends mon cul sur Mime, c'est plus simple, les abonnements à 50 balles. Ceux qui sont sur le Telegram, ils savent de qui je parle. Bref, aujourd'hui, j'ai eu potentiellement un nouveau bébé. Regarde. J'ai eu l'opportunité de recevoir un petit bébé. Je vais vous le montrer, mais avant, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est des barres. C'est délire, on s'amuse bien, je me retourne pas parce qu'il est là-bas. Vous vous en doutez? Regardez, je vais pas vous spoil. Hein. Regardez, hop. Vous voyez mes gants, vous voyez rien. Si j'ai des gants de moto, si j'ai un casque, c'est que c'est une bécane. Là, tu te dis, mais putain, mais pourquoi tu filmes le sol? Lève la cam, frérot. Et les mecs, baram, c'est plus une moto, mon gars. C'est de l'électrique, mon gars, c'est du freeride. La trotty life, mon ref. Et ouais, les mecs, on n'a pas blagué. Fucking trottinette de bâtard, mon ref. Là, quitte pas la vidéo, mon ref, quitte pas la vidéo. Tu te dis, ouais, le ref, il s'est acheté une petite trottinette. Ouais, frérot, j'en vois tous les jours. Mais mon ref, déjà, est-ce que tu l'as vu? Celui-là? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi comme trottinette? Tu penses que j'ai de la trottinette de PD, mon ref? Mon gars, aujourd'hui, je te présente la Bioji C1 Pro, un nom t'as les chinois, t'as rien compris? Non, les mecs, plus sérieusement, la scooter, mes couilles sur ton front. Frérot, faut pas parler, faut agir. Gagne des wheeling carrément. Bon, les mecs, je suis sur le Gamos. Regardez. Hop! Le trou, ça le saute. Oh, ce coucher de soleil. Comment on dit coucher de soleil en anglais là? Coucher of the sun, frérot. Non, les mecs, plus sérieusement, avant de tartiner avec, elle m'a été envoyée par la marque Sojist Sale, frérot. Un nom, t'as peur, mais les produits, je vais pas te mentir, sont cool. Ils sont cool. Donc cette vidéo, elle est pas sponsorisée, j'ai eu le produit gratos, mais frérot, malheureusement, j'ai pas reçu un billet. Donc frérot, qui sait, je reçois pas de billet, je suis pas prêt de dire que ton produit est bien, mon ref. Et même si je recevais un petit billet, en vrai, je dirais si c'est de la merde, je vais pas te mentir. Hein. Mais là, frérot, je t'ai emmené sur un panorama. Un panorama? Et tu penses que si je t'ai amené dans un panorama, c'est pour te montrer de la merde? Tu penses que je suis un mec comme ça, moi? Regarde-moi ça, ça monte partout. Ok, petite présentation du bolide. Regarde mon gars, si j'ai pas acheté un fucking bolide. Putain mon gars, carrément je suis choqué du bolide. Bon ok, ça y est les mecs, j'ai fait la petite séance photo, on se retrouve. Je vais descendre d'un cran frérot, et je vais être sérieux pour te présenter ce petit bijou. Alors je suis pas là pour te dire que c'est la meilleure des trottinettes. Je suis pas là pour te dire que c'est la pire des trottinettes, et loin de là les mecs. Ok, je l'ai reçu et vous pouvez vous dire tous les préjugés. Ouais, les youtubeurs reçoivent un produit, vont vous dire si c'est bien ou pas. Franchement, est-ce que je vous conseille cette trottinette? Oui et non, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant, je pense qu'il est temps d'aller faire le test. Donc déjà, je roule équipé les refs parce qu'il fait moins 45 degrés. Pour ceux qui savent, j'habite au nord de la Laponie. Et frérot, les températures elles sont assez extrêmes. Donc voilà, gants, casque, obligé. Quand c'est l'été, je vais pas te mentir, je les mets pas. Parce qu'il fait beau, mais là, dans la Laponie, mon ref, je te laisse regarder une fois ce dernier coucher de soleil. Il est passé vite, très vite. Mais bon, la vie, les mecs, elle est courte. C'est l'électrique, j'ai le temps de m'insérer 4 fois. Regardez. Oh là là, j'aurais pu, mais ma foi, assez fou celui-là. Regarde-moi ça, on la prend la Peugeot là. Ouh. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a pluie, hein. Regarde, passe par là, hop. Hop les. Eh, par contre sur les trottoirs mon pote. Gagne, comment ça s'amuse bien. Par contre tu croises quelqu'un, tu le tues. Tu le tues cash frérot. 50 km/h. Bam. Regarde. Gagne comment ça passe nickel tout ça. Et là gagne. Tu veux sauter? Ça saute nickel frérot. Eh, ferais pas la course avec une cacahuète nous? Oh pétard. Regarde gagne, on va faire la course. On va la pousser. On peut pas la pousser, on va plus vite. Hop, Ginette. Regarde, compare la voiture là-bas, regarde. Regarde, elle va faire la course, frérot. Elle me rattrape pas, je la tiens. Eh hein. Eh, hey. Hey, carrément. T'as plus de permis, tu prends ça cash, frérot.
Ça dépasse les petits 20 km heure des trottes de Paris là. Ok, là c'est réel. Là on arrive dans les vrais trucs, frérot, à tout moment on glisse. Bonjour. Oh non, je vais me dégueulasser mon ref. Regarde-moi ça, frérot. 44 sans pression, une racine tumeur. Comme un homme. Intérieur, bras. Oh, tu coupes. Oh, oh, oh. Tranquille, bam, tu prends tranquillement, freinage. Accélération. Et là on va monter le mont Chicade. Voilà, par contre, on pourra pas dire si elle monte tout ça, frérot, à plus de 35 km/h. On va pas lui demander sa Vmax. Mais en pente comme ça, sur des cailloux, alors qu'elle est pas chargée au max, oh, ça va être une dinguerie. Frérot, la descente, on va se la faire. Je pense, vraiment, hein, je pense qu'on peut taper les 60. Eh, tu mets les trottinettes de Paname là-dedans. Elles sont dead à l'instant, frérot. Et on est bien. Ah, je vous jure, des petites balades comme ça. Je me suis dit, les refs, c'est soit je vous sors la bécane. Tu vois, bécane, comme d'hab, tu vois, ça fait plus de 200 de vidéos. En plus, ça laisse une trace, hein, c'est beau gosse. Soit je vous sors la petite bécane, comme d'hab. Soit je vous montre un bolide. Parce que je l'avais déjà montré sur Instagram. Oh, attends, c'est parce que c'est pas mon côté, mais là, tu peux te faire une ornière. Moi, je me crois en cross, là. Je vous l'ai montré sur Insta. Hein. Et là, je vous dis, les mecs, je suis avec le mode height. Dire, frérot, ce mode-là, il dure pas. Je fais pas 200 km en high. Donc ça veut dire là, t'es en mode. Tu peux rouler encore en mode plus tranquille. Mais là, frérot, nous, on est là. C'est pas, je te fais déjà une vidéo en trottinette, t'hallucines. Mais si je te la fais en mode normal, là, tu te dis se fout de ma gueule. Eh, 33 en montée, mon ref. En plus, c'est une bête de trotte parce qu'il y a le recharge automatique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les Tesla. Mais il y a pareil, les mêmes recharges. C'est la première fois que je le roule comme ça. De base, il y a un siège. Je suis assis comme un papy sortant de l'EHPAD, mon ref, pour aller faire sa promenade. Là, je me suis dit, on va passer en sportif. Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Ah, c'est réel, hein. Oh, sa mère, on fait pas les choses à moitié, nous. Ah, c'est bien réel. Bonjour. Ouh, frérot, ne lâche pas ton kleps. Ne lâche pas ton kleps, je t'en supplie. Ah, là, c'est réel, hein. Là, attends. Avant que je te fasse une chute, frérot, ça va passer dans le meilleur bêtisier de France. Ah ouais, là, c'est réel, mon pote. Regarde-moi ça, petit coucher de soleil, trottinette électrique. Regarde-moi si on n'est pas bien, je sais même pas si j'ai la meilleure des postures. Mais regarde, dans le sable, frérot, dans le sable, 41 km/h, rien à foutre. Ce truc, c'est un monstre. Oh ouais, mon gars, mais là, c'est réel, hein. Ah ouais. Là, ça rigole, hop, mon ref. Frérot, tu t'emmènes ta meuf là, tu la date ici. Encore faudrait-il avoir une meuf. Non, en vrai, les mecs, c'est une vidéo qui change un peu d'habitude. Mais ça vous empêche pas de mettre un putain de pouce bleu parce que là, les mecs, j'ai pas blagué. Je me suis dit, faut leur faire plaisir, faut leur montrer le bolide. Regarde, qui fait des dérapages, t'as peur carrément. Regarde l'équipement, je te la présente vite fait, surtout parce que j'ai pas fermé la veste et que j'ai froid. Mais regarde, t'es petit, frein à disque. Bon, je peux pas trop le toucher, il est chaud, c'est comme les céramiques d'une Lambo, ça coûte 30 000 € à changer. Regarde à l'avant, frein à tambour. Ça freine une tonne, et l'arrière ça freine une tonne. Vraiment le freinage, j'ai rien à dire. Quand vous freinez, petit signal lumineux, il y a un mode. Vous appuyez deux fois, hop. T'as la barre de LED qui s'allume dans le noir, frérot, c'est une tuerie. Franchement ça marche bien, suspendu, tout suspendu. Arrière avant, encore à régler, je les ai pas encore réglés. Mais franchement là ça va, les trous je les sens pas trop. Je peux rouler dans la forêt sans trop de problèmes. Après frérot, commence pas à vouloir prendre des racines à 45 km/h. Je vais pas te mentir, t'as plus de risques de finir à l'hôpital là. Quand je vous dis, ça blague pas, frérot. C'était le moment de vous le montrer. Eh, je suis obligé de me pencher pour essayer de vous montrer le compteur en même temps, sinon après, il y en a, ils vont dire c'est fake. Là, on va aller en ville. Ce qui est le plus drôle avec ce petit bijou, c'est en ville. Tarif, frérot, tu doubles toutes les voitures. T'en fous, au feu rouge, t'es le premier à partir, c'est l'électrique, donc c'est comme une Tesla, c'est à la pêche d'une Tesla. Alors, si on soulève la roue arrière, ça drift. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Ah ouais, j'avais oublié, c'était des cailloux ici. Ça peut se débrider, les mecs. S'il y en a qui savent comment faire, bah venez sur Insta. Je le fais. S'il y a 5000 pouces bleus, je débride cet engin, mon ref. Et là, on pourra prendre les 90 tranquillement, frérot. Aisément. Ça. Hop, en wheel. Oh, allez, frérot. Et là, je sens la suspension arrière, mon ref. Elle a jamais marché autant. Oh. Regardez, j'accélère même plus, je suis déjà à 40. Par contre, les suspensions, à cette vitesse-là, on les sent bien à l'arrière. Ça fait bien la vague. Ah, parce que c'est le but d'une suspension. Mais du coup, elle marche. C'est pas du fake suspensionnage.
Oh là, à tout moment mon ref, à tout moment on explose. Oh, petite recharge auto, ça freine bien, ça freine très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le freinage, il est au top. Oh, comment je suis parti. 10 000 legs, je rachète un cross. Je te fous droit la forêt. Regarde sur le bitume. Regarde comment ça marche bien. Là, tu voulais te freiner. Tu mets ton freinage automatique. Je sais pas comment t'appelles ça. T'appelles ça comme tu veux. Je m'en bats les couilles. Mais ça freine. Bon, par contre, si vous faites choper avec ça, bon, la police, je pense qu'ils peuvent râler. Après, frérot, tu mets. T'as deux modes en fait. T'as le premier mode, tu montes à 20. Le deuxième mode, tu montes à 25-28. Troisième mode, c'est full, frérot. C'est la totale. Là, frérot, t'es le roi de la piste cyclable. La moto, tu fais de l'interfil. Avec ça, tu fais du ultra-fil. Tu vois, comme je te dis, y a pas de bruit. Mon ancienne, elle faisait du bruit. Pas un bruit d'électrique, hein. Un vieux bruit. T'avais des boulons qui se barraient. Ouais, 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 t'inquiète. Ouah. Fouettage. Donc là, t'as rien, t'as aucun bruit. T'es bien. Par contre, le bruit de l'électrique, je sais pas vous, mais le bruit des pneus et de l'électrique, moi je kiffe. Moi vraiment, je kiffe. Est-ce qu'on part là? Ouais. On va traverser là. Est-ce qu'on peut traverser sans mourir? Carré. Là, est-ce qu'on va pouvoir? Carré aussi. Parfait. Et ce qui me fume, c'est dans les montées. Pff, ça a de la pêche. Et je suis sûr, il y a moins d'apprendre à lever. Hein. Tu lèves l'avant. Regarde. Ça part. Bon, par contre, si tu ratterris mal, ah, t'es mort là. Là, t'es mort. Et si tu veux favoriser ton nombre de kilomètres, tu vas en faire plus. Un truc comme ça, tu vois, j'accélère pas. Ouais, par contre, le système pour accélérer. Oh non. Oh non. Calmos, frérot. Viens pas me bouffer. Non, mon ref. Putain, il est du père. Non. Wesh, wesh, wesh. Wesh, le cous, il est derrière. Il va me graille. Attends, c'est un chien perdu. Bon, moi, j'ai la vidéo, je la mettrai sur Facebook, frérot. Tel un sauveur. Tiens, moi, toi, je vais pas te faire chier. Si tu veux y aller, je te laisse y aller. Ah, ça fait mal au cœur, hein. Moi, tu vois, les trucs comme ça, j'ai peur. Le mec, il vient me graille un mollet. C'est fini. Ah, j'ai la vidéo, je mettrai une photo sur Facebook. Est-ce que je l'aurais acheté moi-même? En vrai de vrai, j'en ai pas testé d'autres, donc je peux pas trop comparer au niveau de la qualité. Mais le truc, c'est que j'ai pas utilisé comme il fallait. Tu vois, de base, tu vas pas dans les chemins, tu vas pas dans les forêts, tu montes pas des terris. Et moi, je l'ai fait avec le siège et j'ai une vis du siège qui s'est barrée. Bon, après, frérot, c'est pas alarmant, tu la remets la vis. Mais voilà. Après, je me plains, mais c'est pas fait exprès, tu vois. Même là, je prends une poubelle. Regarde, regarde le freinage. Si j'ai une utilisation normale, bon, bien sûr, tu resserres les vis. Tu fais les trucs de base, quoi, parce que le produit, il va pas tenir long terme si tu fais un, tu vois, tu recharges. Mais t'es pas là à devoir faire des améliorations. Oh, lui, il va chercher son gosse. Pourquoi je suis pas l'enfant, là? Oh, avec la signature lumineuse à l'arrière. C'est une dinguerie. Hop, ça monte tranquille. C'est des pneus. Chambre à air, donc des pneus à air. Salut, mec. Pneus à air, pas encore rechargé. Rechargé, regonflé depuis que je l'ai. Peut-être que si vous voulez moins sentir les cailloux et que vous faites que des cailloux, bah, essayez de dégonfler un peu les pneus. Et vraiment, hein. Je vous jure que c'est vrai, dans la ville, tu vas plus vite que les voitures. Tu vas plus vite que les voitures. Je te dis pas, tu vas pas sur une départementale, c'est sûr, mais en ville, quand c'est 30, même 50, les villes, les villages, tu vas plus vite que les gens. Mais t'es sur 500 balles. 500 pesos, t'as ça. C'est sûr, t'as mieux. T'as des trucs, ça monte à 90, trucs, ça monte à 100. Mais c'est des trucs, ça fait 5000, 3000 euros. Là, 500, donc tu divises par 3 le budget. Je l'ai eu avant la rentrée, donc je peux vous dire que ça fait un moment que je la teste. Donc là, tu vois qu'elle est pas rincée. Tu vois la grosse montée, vraiment, là, 40 km/h, sans aucun souci. Donc, on en revient quand même au fait de la batterie, tout ça. Alors, si tu fais en mode super puissant, super boost, donc c'est le mode où tout est ouvert, tu vas taper, j'ai pas testé, hein, mais déjà en mode normal, tu tapes 80 km. En mode normal et en mode middle. Mode middle, t'es limité à 30. Donc mode middle, tu vois, ça arrache déjà bien. Donc mode middle, tu fais 80. Ouais, tu fais plus 60 km. Mode éco, tu fais 80. Et mode comme ça, ça dépend à quel moment tu tartines, mais je pense que tu peux facile, vraiment facilement, en faisant les recharges automatiques, tout ça, tu peux taper facilement du... Si je dois vous dire... Oh putain, ça c'est la merde. Ça c'est la merde. À tout moment, il me contrôle. Ouh. Ah bah oui, avec ça, frérot, j'ai rien. J'ai R, hein. Donc quand je vous disais qu'avec la police ça marche, ça marche bien. Attends, je vais peut-être allumer. J'ai la priorité, vont me la laisser.
Non, attends, je vais allumer le truc. Je vais allumer les... Oh merde, il se gare. Non, 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 c'est bon. Oh putain. Le mec, il cherche. Le mec, il cherche. Voilà, je t'ai allumé le lampadaire devant. Bon, ça fait le mec un peu réglo. Personne derrière, c'est bon. Ça va être bien drôle, ça. Attends, c'est 30. Il manquerait plus de se faire... Là, frérot, c'est aberrant. C'est pire que de se faire arrêter en moto. C'est de se faire arrêter en trottinette électrique. C'est dingue. C'est pour ça que j'ai mis regarder le feu avant. L'arrière, il est éclairé. Mais ils peuvent pas me dire que j'ai pas trop d'éclairage. Si jamais ils s'arrêtent, je passe en mode écho. Écho moins moins. Ils vont se dire, mais attends, t'étais à 40 derrière nous. Et là, tu tapes un 20 km/h max. Ouais, frérot, tu sais... Non, c'est toi, t'as mal vu. Par contre, j'ai pas trop envie de les suivre, n'empêche. Voilà, c'est bien. Barrez-vous. Putain, signature lumineuse, frérot. Là, par contre, moi, je suis en trottis. Hop, ça passe. Signature lumineuse. Ils sont beaux. Ils sont bien équipés, les loustiques. Il y a du monde. Ah, putain, j'aurais pu l'aider, le ref. Je crois qu'il était en panne d'essence. Wow. Mais là, j'ai le permis, mon ref. T'as capté, donc je peux pas venir t'aider. Et je suis en trottis. Qu'est-ce que tu veux que je vienne t'aider? Donc là, tu vois, tu roulais avec ton petit feu avant. Bon, là, ça sert à rien parce qu'il fait pas noir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit.